De l'Assemblée nationale et à l'ensemble des députés. D'abord, nous avons fait, si vous voulez, un peu un rappel de la situation. Nous avons parlé du combat qui a été mené jusque-là par l'ensemble des peuples de Guinée pour obtenir cet accord. Nous avons rappelé un certain nombre de dispositions donc, de la Constitution et du Code électoral qui sont violées. Nous avons donc rappelé qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité des députés de refuser de bloquer, de valider ce congé-là. Parce que pour nous, ils ne sont pas que des politiciens. Ils sont, avec la de la Constitution, ils sont les représentants des peuples qui ont la charge de défendre les droits. Donc nous attirons leur attention sur la gravité de, ce point de l'accord et nous attirons leur attention sur les conséquences futures, effectivement, de la validation de ce point. Donc nous, nous finissons par demander humblement aux députés de refuser de signer cet accord par la signature, bien sûr, cette pétition qui est réalisée.